chers frères et sœurs, j'étais quelque part pour passer un séjour suite à plusieurs décès. Aujourd'hui, les gens qui veulent polémiquer, je n'ai pas perdu que mon grand frère que vous connaissez, j'ai perdu aussi mon beau-fils, j'ai perdu mon grand frère César Ganao, je peux citer le nom, mais pour les êtres, je ne citerai pas les noms. J'ai perdu plusieurs personnes. Et j'ai même perdu des mamans, Madame Boussou, plusieurs personnes. Je suis un humain. J'ai un cadet que vous connaissez, Aristide, qui m'a dit « Grand frère, nous avons perdu un être cher, mais de tous, tu étais peut-être le plus affectif ou bien le plus proche, je ne sais pas, parce que je ne suis pas dans la discussion des Congolais, un tel était proche, un tel, je ne suis pas dans ces petites choses-là. Je t'offre un séjour au bord de la mer, là où tu aimes partir. Appelle ton ami intime qui est à Orléans, je vous invite, sont partis. Étant là-bas, je sais que j'ai un petit frère qui vit à Bordeaux. Géographiquement parlant, Bordeaux, c'est à une heure de là où j'étais. Je l'ai appelé. Il m'a dit, grand frère, viens. Moi, j'ai quelque chose à dire. Parce qu'aujourd'hui, le combat va dans tous les sens. Le Congo, que ce soit nos parents qui sont au pays, que ce soit les gens de l'opposition, ici à Paris, personne ne raisonne. Les gens sont dans une folie. Et le peuple est en train de subir. J'ai dit, c'est un très bon discours. Et puis il m'a dit aussi, il faut qu'on montre aux gens qu'on est unis. Parce que le discours que l'opposition ou les gens de Brazzaville, c'est la séparation, comment on appelle ça, le tribalisme et tout. Il dit, grand frère, même si tu es de Dolizy, mais je t'ai vu venir en Pila en vacances, 11 rue de Pirogué, côte à côte avec les Melengi. Et moi, à l'époque, j'étais déjà ami à tes petits frères. Aujourd'hui, tu fais de la politique, certes, mais tu restes mon grand frère et je reste respectueux. C'est important qu'on se retrouve et tout. Nos aînés là, ils nous ont trop trompés. Ils nous ont divisés par rapport au patois, par rapport au grand frère. Passe chez mon épouse qui va bientôt avoir un bébé. Je suis arrivé, il m'a déballé le champagne, je comprends. Les gens ont même voulu polémiquer en disant que Karanda n'est pas dans le deux. Mais je n'ai pas perdu que le grand frère que vous savez. Moi, j'ai perdu mon propre frère de sang, qui est un grand homme, M. César Ganao. Est-ce que prendre du champagne, il vient prendre des photos, cela veut dire que je ne respecte pas la mémoire. Mais c'est vous qui l'insultez sur les réseaux sociaux, c'est vous qui parlez. Il y a une dame qui m'a fait une demande d'amis alors qu'elle sait que je sais qu'elle ne m'a jamais porté. Dès que j'ai accepté ce matin, elle est passée chez Aristide là-bas pour dire que Karanda est en train de jouer. Moi, quelle fête je vais faire? Est-ce que c'est moi qui tue les gens? Est-ce que c'est moi qui ensorcelle les gens? Est-ce que c'est moi qui divise l'opposition? Est-ce que c'est moi qui fais le tribalisme dans l'opposition? Moi, je ne peux plus être avec vous. Je vous l'ai dit en face. Le combat, je vais rester dans le combat parce que j'aime le peuple congolais. Mais je ne peux plus vivre avec les Congolais. Vous insultez les cadavres, vous insultez la tombe de quelqu'un, vous insultez, je comprends tout. Je ne suis pas à ce niveau-là. Vous avez envoyé des gens avec des caméras pour voir comment je vais pleurer le jour du décès, du défunt. Comme par hasard, on m'a appelé, on m'a dit, le pays, les cadres du pays qui travaillent avec Sassou, qui aimait ce monsieur qui est mort là, m'ont dit, petit, tu ne dois pas pleurer. Parce que tu étais très proche. Si tu pleures, tu vas nous faire pleurer, tu vas faire tomber la République. Toi, tu dois être fort. Et lui-même, avant de mourir, il m'avait dit, le jour que je vais mourir, mes enfants doivent être bien habillés, ma femme et toi-même. Je suis allé payer un costume, malgré ma pauvreté, et je comprends tout pour lui faire honneur. Je suis dans la symbolique, vous qui voulez parler. Est-ce que quand tu as perdu quelqu'un, tu dois... vous avez plus de... Je suis le plus grand perdant de cette situation-là, en dehors de sa famille biologique. Même la famille biologique. L'amour n'est pas quantitatif. On ne peut pas qualifier l'amour. On ne peut pas prendre un thermomètre pour dire que Karanda était et même plus le monsieur ou sa famille ou sa femme. Moi, je comprends. Il y a des gens qui sont dans l'ombre, qu'on ne connaît même pas, qui ont aimé cette personne-là sincèrement. Mais vous, vous faites quoi? Vous parlez de lui même à titre posthume. Vous êtes en train de le dénigrer alors que nous sommes
des Bantous. Le deuil, si chez vous, le deuil, Karanda ne parte pas au travail, que Karanda ne prenne pas un champagne, que Karanda ne voyage pas, vous vous êtes trompé parce que ma fille biologique, aînée, jeune fille, qui vit au Congo, je cache sa personnalité pour qu'on ne lui fasse pas du mal. Elle a perdu son mari. Mon grand frère César Gano, qui est connu, est mort. Est-ce que si j'envoie un texto à la dame ou aux enfants du défunt, vous êtes au courant? C'est vous les hypocrites, vous parlez du drapeau, vous parlez de sa vie, et tu comprends. Quand on aime un grand homme, on ne parle pas de lui. Aucun micro ne viendra, même le feature le plus puissant, ne viendra jamais me poser des questions pour que je parle du mal. Le monsieur qui est à côté de moi là, c'est un monsieur qui a rendu des services énormes à la famille Sassou. C'est symbolique que je reste à côté de lui. Il est de la famille. Mais aujourd'hui, quand il se plaint, il lance des messages. Que ce soit des messages qui sont tordus, que ce soit des messages qui sont clairs. Mais quelque part, il a un cri d'alarme qu'il vous lance. Écoutez au moins, moi je n'ai pas été avec vous, ça fait 26 ans que je vis en France. Que je vis ici en France, 26 ans, jour après jour. Je suis allé au Congo pour un mois, pour trois semaines. Mais lui, il est de la famille, il n'a jamais caché ça. Il a fait la guerre, il connaît les grands dossiers. Il vous parle de la que le pays va très mal, vous ne le comprenez pas. Il parle qu'on doit être unis. Voilà. Il a dit que tuer les parents, les Kturo, les Adwa, c'est pas bien. Parce que quand vous tuez tout le monde, après l'ennemi en face, je comprends. Ça c'est vous, hein, c'est vous. Moi je suis pas du pouvoir. Aujourd'hui, si je suis très fâché avec l'opposition de Paris, ça veut pas dire que je vais rejoindre Sassou. Moi j'ai déjà pris mes dispositions. Aujourd'hui, si je quitte l'opposition, c'est parce que je veux pas être empoisonné. Parce que j'ai compris qu'ils ont les mêmes méthodes que Sassou. Ils sont dans la tricherie, dans le mensonge, dans la cupidité. Ils vont prendre l'argent, ils veulent salir tout le monde. Là-bas. Mais moi, si un garde de Sassou veut sortir un dossier qui me montre le virement, ou là-haut, parce que moi je voyage beaucoup. Pour tromper sur Karanda, il faut naître, c'est-à-dire il faut botama bien dingue balo bakana lingala. Parce que quand tu vas dire que tel jour Karanda était parti voir Sassou, a pris l'argent de Sassou, en ce temps-là je te montrerai mon billet d'avion et la réservation d'hôtel. C'est important. Mes voyages là, c'est-à-dire mon plus grand fétiche, ma plus grande protection, c'est ma mobilité. Même ma femme, parfois je l'appelle, moi je dis ramène-moi la valise à l'aéroport. Et puis Dieu merci, quand je suis à l'étranger, au Togo, en Côte d'Ivoire, partout, je vous montre, je suis avec les autorités. Moi le Congo ne me plaît pas. Pourquoi? Parce que les autorités ne sont pas sincères. Un, l'argent du trésor a été pillé, donc je ne vais pas aller travailler, même si je vais travailler. Même si Nakoyibate, mais le loto Rosana poste, il faut là. Les ministres n'ont pas de salaire, les députés n'ont pas de salaire. Moi, je vais aller trahir ma conscience, tu comprends? Je clame de Dolizy. Moi, j'ai grandi à Dolizy. Dolizy m'a tout donné. Si aujourd'hui je dis que Dolizy c'est ma base, parce que Dolizy m'a tout donné, mon souhait serait de rendre aussi l'ascenseur aux gens de Dolizy. Mais je n'ai jamais dit que je vais travailler avec Sassou. Je suis différent de vous. Même si je vous ai dit que je peux plus m'asseoir avec les gens qui parle matin, midi, soir pour le plaisir de parler, qui insulte, et qui insulte les... à l'opposition, les gens sont aigris. Ici en France, la diaspora de Paris, c'est le complexe, voir les montres des gens, la vie des privés des gens, celui qui est mort, le descend, elle comprend, c'est pas de la politique. Avec vous, on avait un contrat de sortir le Congolais de Brazzaville dans la misère. Mais force est de constater que vous êtes dans les insultes, vous êtes dans la mafia, vous êtes dans le complexe, donc vous partez dans tous les sens. Ce n'est pas faire de la politique. Le jour que vous allez décider de faire partir Sassou officiellement devant le fait Congrès, appelez-moi, je vais revenir. Mais moi, je ne m'asseyerai plus avec vous. Cela ne veut pas dire que moi, j'ai refusé le combat, et bien que je ne suis pas dans le combat. Maintenant, là, je vais passer la parole à quelqu'un qui a été proche, qui a travaillé avec Sassou, qui est mon petit frère. Les gens qui me respectent, quand on dit que « Oh yo, on le ramène bien à Sassou », moi, je n'ai jamais insulté. Moi, ce n'est pas ma culture, insulter les gens. Quand je parle du vol, le FMI dit la même chose. Mais sauf que la différence, quand Karanda a parlé, c'est l'insulte. Quand le FMI dit qu'il y a la mafia, la CNPC, je comprends et tout. Moi, laissez-moi tranquille. Vous, les gens de Brazzaville, vous êtes dans le mensonge. L'opposition de Paris est dans le mensonge. J'ai vu. Et moi-même, j'ai eu le temps. Blaise Tshitombo m'avait dit ça, je n'avais pas cru.
Blaise Tshitembo, je cite le nom parce que c'est un ami, c'est quelqu'un de sincère qui pourra me dire que Karanda, la lutte là n'est pas sincère. Les gens sont dans le tribalisme, dans le positionnement, les gens, je comprends. Mais quand on fait de la politique, c'est pour sortir le peuple de là où il se trouve. Donc, j'ai été bien reçu. On a fait des photos, ça fait du tollé. C'est pour ça que je me suis permis d'être à côté de lui. Je suis chez lui. J'étais en vacances quelque part, je suis passé. Ils m'ont offert du champagne, ils m'ont offert tout ce qui. Je comprends. On s'est connus en pila. Moi, ça fait 5 ans que je fais de la politique. Mais avec lui, ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. Plus de 20 ans. Je vous ai dit, rue des Piroguets, numéro 11. Il est là. S'il n'est pas d'un pila, et tout, mais vous êtes. Est-ce que le deuil. Mais vous qui êtes soi-disant dans le deuil de ce monsieur qui est mort, vous passez tout votre temps à l'insulter, à parler d'un drapeau. Le drapeau, c'est un tissu qu'on paye dans la rue. Et tu comprends? Et c'est même vous-même qui avez ramené ce drapeau-là. C'est parce que je ne veux pas vous répondre, je vais me livrer à ce genre d'exercice. Le jour que la veuve de ce monsieur-là va se lever pour dire que M. Karanda n'a pas été l'ami de mon mari, n'a pas été le petit de mon mari, n'a pas respecté la mémoire, en ce moment-là, je vais avoir des soucis. Le jour que ses frères et ses sœurs ou sa maman, que j'appelle tous les jours, à Pointe-Noire, vous n'avez même pas le numéro de sa maman. Les Congolais aiment s'accaparer. Aujourd'hui, tout le monde est devenu, je comprends, tout. Moi, je ris là où je suis. Mais il y a une vidéo que Tom Melvin a sortie, là où lui dit devant la vidéo, c'est sa voix, c'est pas du mensonge, que ce Godefroy qui m'a ramené tous ces Congolais-là. Parce que moi, je voulais pas être en contact avec quelqu'un de discret qui vivait chez lui à Neuilly, qui n'aimait pas voir les gens parce qu'il connaissait la mentalité. Il était déçu par le pouvoir de l'Issouba. Parce que tous les efforts qu'il a fait, on l'a payé. L'homme a ses aspérités, l'homme a ses défauts. Mais ce monsieur-là a été mal récompensé parce qu'il y a un neveu de l'Issouba, direct, qui a été honnête avec moi, qui m'a dit Godefroy, mon oncle était président, moi j'étais l'un des patrons des services. Parce que je suis son neveu et quelque part je suis intelligent, il m'avait nommé à ce poste parce qu'il connaissait mes compétences. Mais entre ce monsieur qui est mort, et mon oncle Issouba, c'est Issouba qui a tort. Moi, c'est ce que je retiens. Vous êtes dans une bassesse. Je suis en train de manger. Vous mettez des trucs sur la toile que Karanda, en fait, quelle fête? Ses amis qui sont ministres au pays, il a été au séminaire avec 4 ministres de Sassou. Mais lui, quand il dit, il a une vidéo là où il dit que M. Sassou, quand il avait des soucis avec Issouba, je partais le voir. Mais c'est Sassou qui n'est pas dans la reconnaissance vis-à-vis de ce monsieur-là. Il éteignait le feu, il pouvait laisser qu'on arrête Sassou. Et il y avait aussi des extrémistes comme l'Emberi Maté qui se constituent aujourd'hui. Tu comprends, ami de Sassou, tu comprends, et tout. Il y a des choses qu'on connaît, on n'avait pas dit. Emberi Maté, je le respecte parce que sa fille, c'est une petite à moi. Et puis moi, je ne suis pas dans la culture de parler des gens. Il vient de. Tu comprends, et tout. Mais monsieur Emberi Maté, là où il est là, il sait bien que ce monsieur qui est mort a joué un rôle pour apaiser. À Paris, pareil. Quand vous avez des problèmes, il dit non, laissez, tu comprends. Parce que lui, il a grandi avec des prêtres catholiques. Lui, qu'on traite de bandit, le monsieur qui est à côté de moi. Mais il a rendu des grands services à ce pouvoir-là. Très jeune, vous lui avez donné les armes pour aller combattre. Lui n'avait pas la culture, il est né d'une famille bien. Son père était quelqu'un de raisonnable. Mais aujourd'hui, il regrette. Il me dit, grand frère, ces gens-là m'ont entraîné dans la boue. Ne dors pas, parle. Je te laisse mon petit parler. Moi, je vous ai dit que moi, les vidéos-là, je suis installé dans d'autres pays d'Afrique qui n'a rien à voir avec le Congo. Moi, je suis installé. Si vous voulez mes sociétés, je vais vous sortir. J'ai créé des sociétés à l'étranger. Elle se comprend. Donc, c'est pour cela, moi, les trucs de Paris, l'objectif, c'était quoi? De dégager Sassou, non? Ça fait 6 ans que je suis dans l'opposition. Sassou n'est pas parti. L'objectif, c'est quoi? C'est d'être rassemblé, non? Vous croyez qu'un quelqu'un comme moi, père de famille responsable, les gens qui passent leur temps à parler de la vie privée des gens, ça, c'est de la politique? Dites-moi quelle politique vous faites à Paris. Aujourd'hui, je parle des gens de Paris. Je n'ai jamais parlé parce que je vous connais. Vous avez même fait des pièges pour dire que Karanda, c'est un escroc. Regardez, il est avec Sassou. Je suis à l'étranger. Il était au Bristol. Je suis à l'étranger. Vous croyez que vous êtes des gens sérieux? Quelqu'un qui meurt, qui vous donnait de l'argent, qui vous aidait. Vous faites vos réunions. Vous n'avez même pas l'argent pour des salles. Et vous l'insultez. Et moi, j'ai aimé ce monsieur-là. Vous croyez que moi, je vais être avec vous? C'est salir la mémoire de ce monsieur-là. Vous me connaissez mal. Moi, je ne suis pas Ngana Mutote. Sassou ne me commande pas, les Congolais ne me commandent pas. C'est moi-même qui ai voulu venir dans ce combat-là. Si je me retire de la diaspora, ça ne veut pas dire que j'ai laissé le combat. Le problème du pays est entier. Le problème du Congo est entier.
aider les Congolais. Il veut parler du problème du pays, je parlais même en tant qu'homme d'affaires. Mais aujourd'hui, je choisis les affaires. Je n'ai pas choisi Sassou, je ne choisis pas Sassou, je ne choisis pas... Moi, j'ai choisi les affaires. Et j'ai fait ça avant la mort de ce monsieur-là. Parce que je vous connais, vous avez la langue de bois. Vous allez dire que non, son parrain, eh bien son grand frère, on n'était même pas en politique ensemble. Je vous le dis, moi j'ai un parti politique. Lui, il était représentant de Mokoko. Nuance, il représentait. Et il avait son parti politique qu'il n'a pas pu mettre à jour parce qu'il a dit, on discutait avec lui. Il m'a dit, si je sors mon truc, Mokoko ne sera pas content. J'ai accepté de l'aider. Jusqu'à ce qu'il sortait à la prison, je me suis mis les bâtons dans les roues. Mais n'empêche, vous allez voir Mokoko pour diviser. Leur discussion avec Mokoko, moi j'étais à côté. Mokoko, c'est quelqu'un de sincère. C'est lui qui m'a dit, laisse le CNT, viens combattre pour que Mokoko passe président. Et moi, dans ma déclaration, j'ai dit, je ne laisse pas mon parti. Je ne viens pas vers Mokoko parce que c'est le CNT qui a décidé. Je viens à titre personnel aider Mokoko pour. Mais Mokoko a gagné. Même s'il est en prison, pour moi, c'est une joie d'avoir quelqu'un que j'ai soutenu à quelques millimètres près, mais qui est passé président réellement, à qui on a ravi le pouvoir. Petit Ouagé, Yo Bengingawa, pendant que Tokolia, ma Kamomoka et Lekane a bien été dans la toile au Karanda, fait la fête, tu comprends et tout. Depuis que je suis né, les gens qui me connaissent à Dolizy, j'aime le bon vin, tu comprends et tout. Personne ne va me retirer. Même la mort de mon père, pendant qu'il est là, je vais prendre mon champagne, tu comprends et tout. Je serai toujours bien habillé. J'étais en jean il y a 3 jours, non? J'étais en jean il y a 3 jours. Pourquoi vous n'avez pas parlé du jean là? Vous êtes des haineux. La dame qui orchestra, je connais cette dame-là, elle m'a fait une demande d'amis, je l'ai appelée, elle n'a pas pu accepter. Elle m'a fait une demande d'amis, hein, pourtant. Elle vient parler du mal de moi chez Aristide, mais elle m'a fait une demande d'amis. Tu n'es pas une femme digne. Moi, je vais te répondre. Prends le téléphone, je t'appelle. Madame Eduta, je t'appelle. Moi, je cite ton nom. Je n'ai jamais cité le nom depuis que je comprends et tout. Vous êtes une dame nulle. Je vous le dis en face, hein, Madame Eduta. Vous m'avez fait une demande d'amis ce matin. Internet, depuis longtemps vous me cherchez. Moi je ne parle pas, moi je ne suis pas comme Aristide ou comme les petits. Quand vous parlez du mal d'eux, ils prennent le micro et je comprends. Pour une première fois je cite le nom, Madame Eduta. Je vous dis, je ne parle pas de Gloria, de Madame Eduta Marie-France. Vous ne pouvez pas parler de ma Pingu à moi, Godefroy. Le cinéma que vous faites de son vivant, tu comprends. Si je délie ma langue là, vous allez tomber. Vous n'avez jamais aimé ce monsieur là. Je vous le dis en face, si vous voulez faire une vidéo, je vais vous croiser. Thank you.